Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, une nouvelle vidéo haul Action qui sera découpée en plusieurs parties dans cette même vidéo. Puisque maintenant quand je vais chez Action, je vous filme la vidéo de suite. Comme ça, ça me permet eh bien, de ranger les choses et pouvoir profiter des choses au lieu que ça traîne dans le sac. Et voilà, tout simplement. Si vous voulez voir le tuto que je porte sur... La Face, j'ai fait ce tuto avec les produits, la nouvelle gamme Révolution Pro de chez Makeup Révolution. Je vous la remets en petite fiche si vous ne l'aviez pas vue. Franchement, cette gamme là, c'est une petite pépite à petit prix. Donc comme d'habitude, hein, vous savez que j'adore les produits Makeup Révolution. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos ou ici sur le petit. Donc je suis allée pour cette fois-ci aux actions de Corbeil-Essonnes comment ça s'appelle, c'est Discount Center ou truc comme ça, où il y a plein de magasins. Donc j'ai pris pas mal de petites choses et je suis également allée chez Centre Accor. Donc je vais commencer par les petites choses chez Centre Accor. Donc chez Centre Accor, j'ai pris un lustre que je vous mets ici en petite photo qui est dans ma chambre, qui était à 19 euros avec l'ampoule. Franchement au top, mon mari me l'a installé au top. Et pour Enzo, on a pris cette petite chose là, enfin un coussin, puisque vous savez qu'on avait refait sa chambre. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, je vous la remets aussi en petite fiche. Donc on l'a payé le coussin 11,99€. Je trouve que c'est un petit peu cher pour un coussin, mais il y a déjà le coussin avec dedans. Alors il est déhoussable, donc ça c'est bien pour pouvoir le laver. Donc vous avez un côté feuille noire et l'autre côté blanc. Comme ça, ça va aller parfaitement avec sa chambre. Donc voilà, au top, hein. Il va pouvoir le mettre maintenant que la vidéo sera tournée. Donc toujours chez Centre Accor, je vous ai dit que je cherchais des petites pancartes. Alors j'espère que ça elle est pas en papier parce que j'ai peur que... Donc il faudra pas que je la mette à l'eau. Chercher des petites... Donc celle-ci est en métal pour mon petit coin barbecue que soit vous avez déjà vu dans un vlog ou soit que vous allez voir dans un prochain vlog. Donc c'est une petite décoration murale, donc je sais pas si on peut les mettre dehors, on verra bien. C'est la gamme Atmosfera et j'ai payé 2,99€, donc c'est une petite plaque où c'est écrit chez nous, donc vous pouvez suspendre comme ceci. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je cherche des petites comme ça en noir, gris, blanc, puisque c'est ce que je veux donner au coin barbecue. Donc je pense que vous le verrez dans un prochain vlog ou vous l'avez déjà vu. Si c'est le cas, je vous remets l'affiche comme d'habitude. Donc on va passer donc aux petites choses de chez Action pour cette fois-ci. J'ai repris 3 petits masques, je ne les ai pas encore testés mais j'en ai repris 3 parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc j'ai repris 3 petits masques, donc il y en a un avec de la truffe blanche. Vous savez c'est des petits masques en tissu que j'aime beaucoup de chez Action. Donc celui-ci il est pour les peaux sèches. On a celui-ci qui est à base d'œufs, d'œuf blanc qui est pour avoir un teint radieux. Et on a le dernier qui est au caviar je crois, oui voilà c'est ça, au caviar pour nourrir la peau, donc un masque nourrissant. Donc comme d'habitude hein, je vous remets les petits prix à droite à gauche comme d'habitude. Mon fils s'est pris ça pour c'est des écouteurs, je vais y arriver, qui sont pour le sport, qui vont avec tous les appareils, qui se branchent sur le, avec la petite prise jack. C'est water résistant et c'est pour le sport. Donc il m'a dit qu'ils avaient un bon son, qu'ils étaient pas mal du tout. Donc à voir combien de temps ils vont tenir. Donc ça je vous en dirai des nouvelles, savoir s'ils sont encore en vie ou pas. J'ai repris, enfin j'ai pris parce que j'avais pas encore acheté cette petite chose là qui est pour recharger, vous savez les petites, les genres de briquets assez longs ou briquets courts pour pouvoir allumer mes bougies etc. Et à chaque fois je rachetais les trucs et j'ai quand même, je dois y avoir les trucs pour recharger. Et oui, donc je l'ai testé hier, il fonctionne parfaitement, il recharge parfaitement bien, donc ça c'est génial. J'ai pris de la marque Haribo des chamallows spécial barbecue puisque on fait des barbecues, là c'est la pleine saison, donc on a envie de tester ça pour faire ça pour le dessert quand il va y avoir un petit peu de, quand il restera des braises. Donc ça j'essaierai de, vous aurez sûrement vu la petite photo vous aurez déjà sûrement vu la petite photo sur Instagram. Ils ont sorti aussi ce petit masque là qui est un masque après soleil, en fait after sun. Qui est enrichi en aloe vera, donc l'aloe vera est très apaisant. Donc voilà, appliquer, rafraîchit et hydrate la peau, 15 à 20 minutes, retirer le masque et masser le sérum dans la peau. Donc à tester là quand je m'exposerai au soleil, je vous en dirai des nouvelles s'il est bien ou pas. Les dentifrices que je reprends à chaque fois que je vais chez Action sont les Colgate Fresh Confidence. C'est des 100 ml, donc c'est super intéressant au niveau du prix parce que c'est des grands formats. Parce que je crois que dans le magasin c'est des 75 ml il me semble.
Je crois que c'est 75 ml. Donc à chaque fois que je vais chez Action, bah, j'en prends un ou deux. Ça dépend l'avancée des dentifrices à la maison. J'ai pris ces deux choses là qui sont, donc celle-ci c'est pour en bas pour pouvoir mettre mon aspirateur sans fil, enfin le Groot là, mon petit aspirateur de la marque Ecovac, hein, que je vous ai présenté, que je vous présente sûrement sur Instagram parce qu'il est vraiment très pratique pour pouvoir mettre ça et ma lampe, comme ça je vais glisser ça sous le meuble et je vais pouvoir brancher les deux en même temps. J'ai pris une grande comme ceci avec un interrupteur pour ici dans ma pièce puisque vous voyez que je filme de ce sens là maintenant, mais j'ai une toute petite table donc je vais investir, je suis déjà allée chez Ikea pour acheter un petit bureau Mikey je crois qu'il est à 30 ou 40 euros pour pouvoir me faire vraiment un genre de petit studio ici pour pouvoir laisser toujours mes éclairages en place etc. Donc dedans on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 prises, donc c'est pas mal du tout. Sécurité thermique, là dès que c'est trop chaud ça saute. Donc franchement elle était un petit peu chère mais elle est vraiment bien, donc pour pouvoir brancher eh bien mes softbox, mon marine light, enfin il y a beaucoup de choses à brancher quand on tourne une vidéo, donc voilà. Ils ont sorti, c'était un petit promo de la semaine, des petits cahiers de stickers. Alors est-ce qu'il y en a un qui est ouvert? Il y en avait plusieurs modèles, j'ai pas pris tous les modèles bien sûr, mais il y avait plusieurs modèles. Donc c'est des stickers spécial planeur. J'essaie de pas tout arracher, voilà. Donc c'est des stickers spécial planeur, vous avez les numéros à l'intérieur. Vous avez des gens pour faire des sticky notes, vous avez des lettres. Donc j'ai trouvé sympa pour le planeur. Vous avez les jours, vous avez pour faire des genres de marge, pour faire séparer vos trucs, vous avez des petits mots, vous avez des petits tags. Enfin franchement celui-là il était très sympa. Et je crois que l'autre c'est dans le même genre sauf que c'est très coloré. Donc j'ai du mal à enlever les étiquettes, vous voyez c'est très coloré. Donc il y en avait plusieurs, je crois qu'il y en avait 4 modèles donc j'en ai pris 2. Les petits crayons pour Enzo que je vous présente à chaque fois dans mes hauls Action, donc je fais plein, chaque fois que j'y vais je prends un petit lot. Je me suis pris pour moi un chargeur de 2,50 m parce que j'en ai marre à chaque fois d'aller dans le bureau pour charger mon téléphone. Donc le soir sur le canapé comme ça je peux charger mon téléphone en charge rapide et je vais voir ce que ça donne, s'il est bien ou pas. Puisque comme j'avais changé de téléphone, et ben, tout ce qui est câble Action n'était plus les bons, donc on verra ce qu'il donne. En beauté, j'ai trouvé ces petites choses là. Je cherche toujours les crayons pour les yeux. J'arriverai peut-être à les trouver, mais apparemment on m'a dit qu'ils n'étaient pas forcément super top. Donc c'est des gloss holographiques. Donc j'ai pris le 377 et 378 avec ces deux teintes là. Donc on va voir ce que ça donne. Celui-ci c'est le Space Dive. Donc ils sont tous de ce nom là. Ah oui, c'est le Cosmic Ray, celui-là, le bleu là. Ben ça m'a l'air pas mal. Regardez ça, le bleu là, il a plein de reflets. Ouh, ça m'a l'air bien ça. Et celui-ci, c'est le 378, le Luminosity. Donc il est un petit peu vert celui-ci par contre. Oh oui, il est vert. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là, regardez ça. Il est juste ici. Les reflets de fou que ça fait. Et bien hâte de tester ces deux petites choses là. Alors quand on les met côte à côte on voit bien la différence, celui-ci est plus bleu et celui-là est plus vert. Donc s'ils sont bien oh là là là, je sais pas si on voit, c'est vraiment joli. Les petits cubes barbecue que je prends toujours chez Action, ils sont vraiment top et ça aide vraiment bien à démarrer le barbecue. Parce que oui, je fais aussi le barbecue, hein. Il n'y a pas que les hommes qui sont réservés au barbecue. Donc ceux-là ils sont vraiment top, je vous les conseille. J'ai pris ces petites pochettes. Alors qu'est-ce que c'est ces petites pochettes? Ce sont, j'en ai pris 4 couleurs. J'en ai pris une grise, une militaire, une léopard et une bleue. Alors la léopard et la bleue sont pour moi. Donc qu'est-ce que c'est que ces petites pochettes? Je vais vous en ouvrir une. Donc ces pochettes sont quand même assez grandes. Alors ces pochettes sont pour mettre dans la valise, pour pouvoir mettre vos chaussures dans la valise, pour ne pas salir votre linge. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Et moi je vais pas m'en servir parce que c'est quand même assez grand une fois ouvert. Je sais pas si vous pouvez voir, on peut quand même mettre, je pense, au moins 3 à 4 paires de chaussures. Je vois pour l'été on peut mettre
au moins ouais, 4 paires de sandales, ça peut être très bien, bien pour pas abîmer votre linge. Moi je vais également m'en servir, c'est pour ça que j'en ai pris deux pour moi. Celui-ci je vais m'en servir pour mettre ben, mes sous-vêtements, parce que à chaque fois qu'on ouvre la valise, ben, tout se balade, les sous-vêtements, les chaussettes, tout se barre, donc ça m'agace. Donc il marque que c'est normalement pour les chaussures. Donc moi j'en ai pris un pour mes chaussures pour le en bleu. Et ça pour mes sous-vêtements. J'ai pris celui-ci pour mon fils et celui-ci pour mon mari. Comme ça dans la valise, eh bien, on n'aura plus les chaussures qui vont tout salir les vêtements. Parce qu'à chaque fois je mets dans des sacs plastiques. Voilà. Et les sacs plastiques, comme on n'en a plus et on essaye de ne plus en utiliser, eh bien je trouve ça vraiment très sympa. J'en ai retrouvé qu'un, donc je voilà, ils en ont remis, donc j'en ai vu un dans le rayon, j'ai pris, j'ai foncé, j'ai pas cherché, j'ai pris. S'il y en avait eu plusieurs, j'aurais je crois vidé le rayon. C'est le nettoyant pinceau que j'utilise tout le temps pour nettoyer mes pinceaux. Moi je nettoie mes pinceaux qu'avec ça, ensuite je vais rincer à l'eau claire et hop, nickel. Donc cela je vous le conseille à tout petit prix. Et pour finir cette première partie, j'ai pris cette boîte de queue de strass en intérieur. Donc je ne les ai pas pris pour bricoler, hein. Je les ai pris pour les plus gros peut-être, mais pour les plus petits, je vais les trier dans mes petites boîtes que j'avais achetées sur AliExpress pour mes ongles. Parce qu'il y a des formes assez sympas, il y a des gouttes et l'avantage c'est qu'ils ont des fonds plats. Donc on peut les coller aisément et il y en a à l'intérieur 200. Donc un petit peu toutes les formes, donc... ça va être top. Donc voilà pour cette première petite partie, je vous laisse de suite avec la suite du haul. Donc je vous retrouve pour la seconde partie du haul Action. Là cette fois-ci je suis allée au Action de Brétigny-sur-Orge, au haut shopping. J'avais des petites choses à faire dans la galerie de Auchan, donc je me suis dit allez c'est parti. Donc j'ai pris plein de petites choses. Donc comme je vous l'ai dit dans le vlog, dans un vlog, j'ai ma tante qui fête ses, je sais plus si c'est 77 ou 78, qui est très 78 ans pardon, qui est très coquette, qui voilà, donc qui à qui je ressemble beaucoup et je pense qu'à son âge je serai comme elle. Quand je la vois, je me vois à son âge, donc ça fait très très drôle. Mais voilà, elle est pouponnée tout le temps, elle est coiffée tout le temps, elle aime le maquillage, les vêtements, enfin voilà, elle est tout le temps pouponnée et du coup bah, à chaque fois c'est des fleurs. Donc cette fois-ci j'avais envie de faire un petit panier puisqu'on la voit cette année pour son anniversaire, parce qu'habituellement bah, ça tombe pas au moment où on la voit puisqu'elle est en Normandie. Donc j'ai pris un panier qui est ici. Et à l'intérieur, ben, j'ai mis plein de choses et je vais rajouter d'autres choses. Je vais rajouter du thé, je vais rajouter, il y en a déjà, mais comme je sais qu'elle boit beaucoup de thé, je vais rajouter des vernis à ongles, je vais rajouter des crèmes pour les mains, enfin je vais rajouter des petites choses que j'ai moi à la maison. Mais je lui ai pris plein de petites choses. Donc je lui ai pris déjà un petit carnet comme ceci, qui est très joli avec des spirales. J'hésitais à m'en prendre un pour moi parce que moi j'adore le système de carnet avec spirale. Je trouve ça très pratique pour pouvoir écrire. Et celui-ci, il est vraiment très sympa parce que vous avez donc les pages lignées. Mais vous avez des intercalaires. Vous avez des intercalaires avec des pochettes. Donc, pour pouvoir mettre les papiers, je trouve ça génial. Donc, avec ça, je lui ai pris un petit kit de stylos. Trois petits stylos comme ceci qui sont dans les tons rose, violet et vert. Où c'est écrit « Be unicorn, believe in yourself, no drama, lama ». Et c'est des stylos bleus, donc j'ai trouvé le truc très sympa. Comme je vous le dis, elle aime énormément le thé, donc je lui ai repris des petites choses comme ceci qui sont pour en fait, une fois que vous avez bu votre sachet de thé, vous mettez à côté de la pour servir, vous mettez à côté de votre tasse et ça permet de mettre le sachet dedans ou une petite gourmandise. Donc j'en ai pris deux, donc ça c'est bien quand on a du monde. Je lui ai pris aussi une petite pyramide, ils en ont refait, ils en avaient fait pour Noël et l'été était très bon. J'en avais acheté, ils étaient vraiment très très bons. Et celui-ci c'est au fruit de la passion, c'est du thé vert, donc très sympa. J'ai même hésité à en prendre pour moi, mais j'ai tellement moult thé à finir à la maison que voilà, on se calme sur le thé. Ensuite, je lui ai pris ce petit savon pour les mains qui était... c'est dans la collection, une collection été. Au niveau des odeurs, c'est toutes les mêmes, je crois. Ça sent très très bon. Donc celui-ci, c'est avec des petits cactus. Voilà, avec des petits cactus. Donc avec un petit pouce-mousse pour mettre dans la salle de bain. Et je lui ai pris également un petit lot de paires de boucles d'oreilles. Qui sont comme ceci, dans les tons
dans les tons roses, un petit peu multicolores et un peu léopard, puisqu'elle a les oreilles percées, je ne savais plus. Donc j'ai demandé à ma maman si elle avait les oreilles percées, mais oui. Dans mon premier haul, j'en avais retrouvé qu'un, et là, dans la première partie, j'en avais trouvé qu'un, et là, en allant au Action, donc à Brétigny, j'en ai vu, j'ai dit, je fais le plein, j'en ai pris trois, donc c'est les Makeup Brush Cleaner, c'est Makeup Brush Cleaner, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé, par contre, le bouchon, il est plus bas, je sais pas, j'en ai un là-bas, je suis en train de regarder, donc c'est toujours des 200 ml, ça coûte pas cher du tout, donc... Si vous avez l'occasion de les tester, moi ça c'est un must have chez Action. Donc du coup j'en avoir 6 ou 7 en backup parce que ça part très vite. J'ai énormément de pinceaux, je me maquille quasiment tous les jours. Et quand je me maquille, j'utilise une bonne dizaine de pinceaux à chaque make-up. Donc forcément, eh ben, ça va très vite. Au rayon beauté, j'ai pris également ça, enfin beauté cheveux. Parce que les miennes sont... J'en ai commandé sur AliExpress. Mais comme il n'y en avait pas la dernière fois chez Action, et là j'en ai trouvé. C'est des petites pinces, vous savez, qui se clipsent... Hop, qui se déclipse comme ça et qui se clipse. Alors pour les petits cheveux moi derrière, vous voyez là, ce que j'ai là derrière, eh bien c'est toujours pénible, ça s'arbique tout le temps. Parce que je me suis un peu enflammée, j'ai coupé un peu trop court les cheveux, je regrette. Donc là je laisse repousser les cheveux parce que je veux me faire des coiffures et c'est trop court à chaque fois. Je veux me faire des bouclettes, ça remonte trop. Donc j'ai repris ce petit kit là, il y en a 12 à l'intérieur, donc... elles sont petites, donc j'ai commandé des grosses sur AliExpress, comme ça, ça me fera le complément, donc ça c'est top. Ensuite au rayon, je finirai par tout ce qui est beauté parce que j'ai trouvé des petites choses. J'ai repris des petites serviettes pour le barbecue, pour l'extérieur, quand on fait barbecue. Elles sont vraiment très bien, elles sont très épaisses. Elles sont assez, assez douces et il y en a 20 à l'intérieur et je trouve qu'elles ne se déchirent pas. Donc vraiment, elles font tout le repas sans problème pour le prix. Je crois que c'était à 99 centimes, donc vraiment... par terre. J'ai pris cette chose là, donc j'en ai pris deux, donc pas pour le côté religieux parce que moi je vais en fait la customiser pour en faire un DIY que j'ai fait là, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc je vais enlever c'est la forme de la bougie en fait qui me plaisait bien, en vert comme ça, assez épais, et moi je l'ai customisé avec de la cordelette. Donc j'ai enlevé toute l'étiquette, vous voyez, tout simplement à l'eau chaude avec une éponge, et après j'ai enlevé toute la surface qui était grasse avec le petit produit qui vient de chez Action aussi, exprès pour les étiquettes. J'ai mis de la cordelette que j'ai collée avec de la colle à chaud, et pour celle-ci je pense que je ferai la même chose, mais je mettrai des perles, des coquillages que j'ai reçus récemment d'AliExpress. Donc voilà, vous les verrez en place dans les prochains vlogs, mais je crois qu'elles étaient à 99 centimes, donc voilà, donc passe de ça à ça, et je trouvais, voilà, j'avais trouvé sympa, et je pense que pour l'autre, je mettrais des coquillages, des coris, je crois que ça s'appelle, ces coquillages-là. Donc, voilà. Et pour finir ce haul, Action, ils ont sorti plein, ah non, j'ai repris des petites piles comme ça, c'est pas les mêmes que d'habitude, c'est les toutes petites, c'est les AAA, et c'est pas les mêmes que d'habitude. Donc, on va voir ce que ça donne, c'est pour ma souris. Dans le bureau, je pense qu'elle est en train de donner des signes de faiblesse et je crois que j'avais plus de piles. Ensuite, ils ont sorti une gamme de pinceaux. Alors, j'ai pris que celui-là pour tester d'abord. Je me dis s'ils sont pas bien. Le problème, c'est que ça ne s'ouvre pas. Voilà, faut tout découper pour que ça s'ouvre. Donc, ça se présente comme ceci. Il y en avait plusieurs. Il y avait pour les sourcils, il y avait tout ça. Et moi, j'ai pris celui pour le E28. C'est un pinceau pour blender. Donc, il a l'air doux. Les poils n'ont pas l'air de partir. Donc je vais le laver et puis je vous en redirai des nouvelles. Mais il m'a l'air pas mal. Il n'a pas l'air de piquer. Donc à tester. Et ils ont sorti plein de nouveautés au niveau des masques asiatiques. J'en ai pris pas mal. Alors j'ai pris d'abord ces trois-là. Il y en avait un quatrième mais j'aimais pas. Alors décidément aujourd'hui, il y a tout qui bine. Donc j'ai pris ces trois là. Donc on a le premier qui est, ce sont des masques en tissu bien sûr. On a le premier qui est jaune comme ceci à l'extrait de miel. Donc c'est fabriqué en Corée, marque. C'est pour nourrissant j'imagine. Contient de l'extrait de propolis et de miel. Apaise et humidifie. Vitamine E, l'acide hyaluronique, d'extrait de thé vert pour les peaux normales. Donc je ne sais pas s'il faut qu'on les rince. Non, il n'y a pas à rincer, on fait pénétrer le reste du sérum. Donc ça, j'ai hâte de les tester, j'adore les masques en tissu.
Ensuite, on en a un à l'avocat, donc qui est vert, parce qu'on en avait un pour le bas du menton. Du coup, je suis sceptique, je dis peut-être que j'aurais dû le prendre pour le tester, on verra. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est à l'extrait d'avocat, il contient l'extrait d'avocat, de la papaye, de l'amande, du concombre, de la vitamine E, et il est hydratant, et c'est pour les peaux normales également. Et c'est pareil, il ne se rince pas. Et le dernier qui a le bleu qui est à l'extrait de perles. Celui-ci c'est pour anti-acné, je crois, j'ai vu. À l'extrait de perles, renforce l'éclat et réduit l'acné. Enrichi en vitamine E, B3, acide hyaluronique pour les peaux normales. Et c'est pareil, celui-ci ne se rince pas. Donc hâte de tester. Ensuite, ils ont sorti deux autres petits masques, vous savez, en forme d'animaux. Donc on a le alpaga et on a le léopard, donc le lama. Donc celui-ci, c'est avec de l'extrait de concombre, je crois. C'est ce que j'avais cru voir. Voilà, il est en hydratant aux extraits de concombre. Est-ce qu'il se rince? Non, c'est pareil, il ne se rince pas. Donc c'est bien parce qu'on a le sérum. Et celui-ci, c'est pareil, c'est pour tous les types de peau. Il est enrichi en feuilles de périlla. Donc c'est pour purifier les pores et enlever l'huile. Donc c'est pour, je dirais, pour les peaux mixtes à grasse. Ça, c'est pour les... Ouais, donc ça à tester. Et le dernier petit masque, je n'avais pas encore vu celui-ci, c'est un masque tout en gold, or. En fait, il est en deux parties. Celui-ci doit être en... Non, pareil, en tissu, je pense. Alors, c'est pour les peaux sèches, pour restaurer la peau. Et il est en, non, il est en hydrogel. Donc, celui-ci n'est pas en tissu, il est en hydrogel. Il a une action calmante et adoucissante, contribue à régénérer la peau pour les peaux sèches. Alors, et c'est pareil, on masse le reste du sérum et on laisse poser 15 à 20 minutes. Donc, bah, je vous en dirai des nouvelles, savoir s'ils sont bien ou pas. Donc voilà un petit peu pour mes deux petites virées chez Action. Donc j'espère que le petit DIY vous a plu et puis que ça a pu vous donner aussi une petite idée. Là par exemple pour faire une corbeille cadeau pour un anniversaire, parce qu'on peut trouver plein de choses comme ça. Je ne vais pas y mettre de masque beauté parce que je ne sais pas si elle met des masques en tissu sur le visage, si elle aime ça ou pas. Mais je vais rajouter plein d'autres petites choses. Voilà, donc j'espère que vous avez pu découvrir des petites nouveautés de chez Action. J'ai vu qu'il y avait également une nouvelle palette Barbie. Mais bon, elle ne me tente pas plus que ça. Je cherche toujours les crayons pour les yeux que je n'ai pas encore trouvé. Mais oh oui, dire de certaines, ils ne sont pas très pigmentés. Donc peut-être que je vais passer mon tour. Et si les pinceaux y sont bien, eh bien pourquoi pas tester les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein plein de bisous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.